dans ce match. Et Cochard, un ballon ralenti. Alan, Tulagi, de nouveau servi. Il arrive à servir Veredamou qui passe les bras. Notamment, Zolo Tulagi qu'on a vu sur les renversements venir utiliser ça. Surtout un enchaînement de passes, on a trouvé beaucoup de justesse. Toucher les extérieurs et on voit une équipe catalane qui fait le choix fort aussi d'aller en touche. Ouais, on va pas forcément tenter, même si le vent peut être dans le dos, de prendre des risques. Le jeu à la main, le jeu au frais avec des hommes forts comme Tulagi. Ouais, avec Camille Lopez, on est sur les 40 mètres de l'USAP. On échappe tout de suite à un plaquage de mouvement pour l'instant qui ne perd pas de la vitesse avec Mori. Ce qui passe sous le plaquage. Ils font tous les gestes justes pour l'instant, les Perpignanais. Et Chistera, des ballons arrachés. Ça va être pénible dans cette année 2023. Et avec le sourire, bien évidemment. Ils en ont besoin, les Catalans qui relancent le jeu encore au centre du terrain avec l'homme fort, Zolo Tulagi, qui a cassé trois plaquages. Il est monumental dans ce rôle-là. Un petit peu, voilà, les différentes actions. Vous voyez beaucoup d'équipes dans l'avancée, comme le fait très souvent. Le tournoi destination, il est déjà champion du monde des moins de 20 ans. Et il n'a que 19 ans. C'est Grégory Pataille à 5 minutes au micro de Pierre Podiès. C'est un peu le message de Monsieur Ramos. Hein. Ah, là on voit Tulagi. Il y a peut-être une phase de jeu à faire extérieur. Alan qui revient intérieur sur l'homme fort pour son de Tulagi. Ces hommes forts pour être compétitifs. C'est la ligne des saisons dans les 22 mètres avec Zolo Tulagi qui a libéré les bras qui arrivent à servir McIntyre qui réplique intérieur, c'est bien fait McIntyre. Et on peut même répondre du tac au tac avec les Bayonnais à 10 mètres de la ligne. Il faut répondre vite même en infériorité numérique pour relancer cette machine. Ballon capté par Marvin Ory, ces ballons portés où ils ont été très forts en première période. Blanc qui va au sol. Ituria qui arrive à passer les bras pour Tatafu, mais la passe était compliquée, attention, parce que là il y a du désordre devant les défenseurs. Les Catalans, si les Catalans l'auraient fait sur la attention, côté Bayonnais, on n'a pas oublié qu'on est quand même en infériorité numérique, alors bien sûr on est contre s'avérer, on va dire, improductive et même 3, 4, 5 temps de jeu. Federico Mori, bulldozer italien, plaqué par Tulagi. Bulldozer catalan. C'est ça. Ouais. Avec Ituria, c'était limite la montée de ce là. On reste dans le fermé avec Cassie. Retour intérieur avec McDoud. Attention côté Bayonnais parce qu'on est plus 14. On est même 13. Ça semblerait qu'il y a un joueur au sol. Rentré à tous les postes quasiment derrière. Il rentre au centre à Rissodge. Cette semaine, qui monte se lancer. Puis le plié gauche de métier, qui peut couvrir ce poste-là. Il va être un peu excédé. Allez, on va le faire gagner par les. Lopez, Rissodge, premier ballon en top 14 du Wallabies. Tulagi, minute de haute facture sous les yeux du papa. Henri Tulagi, champion en 2009. C'est son père. Zolo Tulagi va laisser sa place sous les applaudissements chaleureux d'Aimé Girard et remplacé donc par Mathieu Tanguy.